Ça y est, le nouveau Range Rover Sport 2023 vient enfin de sortir. Automag vous le dévoile en long, en large et bien entendu en exclusivité. Avec sa voiture de course dénommée La Dior, le pilote sénégalais Abdoulaye Diop représente à lui tout seul le continent africain dans le prestigieux tournoi Alpine Elf Europa Cup composé exclusivement de Renault Alpine. C'est donc très fier d'y rouler aux couleurs du pays de la Teranga qu'il a bien voulu nous accorder une interview exclusive. Vidéo loufoque qui font le buzz sur la planète automoto, elles sont toutes dans le zapping de la semaine. Enfin, on bouclera ce numéro d'Automag avec le meilleur de l'actualité automoto internationale de ces 15 derniers jours. Attachez vos ceintures, c'est Automag qui prend le volant. Let's go! Après la présentation de la 5e génération du Range Rover, c'est au tour de son frère cadet de se refaire une jeunesse. Le Range Rover Sport, 3e du nom, s'affiche sous un design repensé, améliore sa connectivité et ses capacités tout-terrain, mais ne délaisse pas pour autant le confort et le luxe propres à la marque. À l'avant, le Range Rover Sport reprend les feux à l'aide affinée de son grand frère. Au milieu, on retrouve la calandre furtive ainsi qu'un pare-choc inférieur sculpté à double ouverture. L'ensemble, conjugué aux lignes musclées et épurées, donne au nouveau venu un look plus affirmé. À l'arrière, le SUV se pare d'optique horizontale affinée et reliée par un bandeau laqué noir. On note également que la ligne de toit du SUV est désormais plus inclinée et qu'il adopte le plus long aileron jamais monté sur un véhicule de la famille Range Rover. Dans l'habitacle, le nouvel aménagement est hérité de chez son grand frère. On retrouve donc la planche de bord épurée qui intègre l'instrumentation de 13,7 pouces et l'écran tactile incurvé de 13,1 pouces. Ce dernier est animé par le système d'infodivertissement PV Pro qui prend en charge l'assistant personnel Alexa d'Amazon et permet des mises à jour à distance. Inutile de préciser que le nouveau venu est toujours au summum du raffinement puisqu'il fait appel à des matériaux nobles et recyclés comme le cuir, le bois et même la céramique. Par ailleurs, il se distingue davantage par le confort qu'il procure à ses 5 passagers, confort renforcé par les nouveaux équipements high-tech qu'il embarque, comme le réducteur acoustique qui minimise les bruits de roulement grâce à des haut-parleurs placés dans les appuis-têtes, ou encore le purificateur d'air par nanoparticules qui filtre odeurs, bactéries et allergènes, y compris la Covid-19. Le Range Rover Sport 2023 est bien évidemment doté des derniers systèmes d'aide à la conduite, comme le freinage d'urgence, la caméra panoramique 3D et le régulateur de vitesse adaptatif tout-terrain. Mais c'est surtout au niveau de la polyvalence qu'il se distingue le plus. Il embarque par exemple les suspensions multibras électroniques, les amortisseurs pneumatiques à 5 niveaux de réglage, les roues arrière directrices, le contrôle actif du roulis électronique, en plus de la transmission intégrale. Cet ensemble est géré par le système Terrain Response 2 qui adapte automatiquement les réglages du véhicule en fonction du mode choisi.
Sous le capot, c'est l'embarras du choix. Le Range Rover Sport 2023 est proposé en version diesel et essence à hybridation légère, en hybride rechargeable essence, en plus du V8 qui abat le 0 à 100 km/h en 4 secondes et demie seulement. A noter que les puissances varient entre 250 et 530 chevaux et que la version 100% électrique est attendue pour 2024. La troisième génération du Range Rover Sport sera disponible en Europe en septembre prochain. Les prix démarrent quant à eux à 94 100 euros, soit 20 000 euros de plus comparé à la génération sortante. Abdoulaye Diop, originaire du Sénégal. Un sim racer ouais. Tellement passionné par la course qu'il a décidé de quitter son écran pour venir voir en direct et en 3D ce que ça donne. Et c'est surprenant, hein, parce qu'il a fait une qualif qui est quand même assez remarquable. Un petit mot sur Abdoulaye Diop, qui, notre sim racer, qui découvre la course automobile grandeur nature en 3D cette saison. Après une très belle performance en qualif puisqu'il était 10e, démontrant qu'il s'adapte vite, qu'il apprend vite, il a un petit peu plus de mal en course, ce qui est logique, hein. c'est,
une fois qu'on est noyé dans le peloton, faut quand même apprendre le métier, il faut un petit peu de temps. C'est quand même compliqué face à des gens qui connaissent un petit peu tous les rouages. Bon, en embuscade, et je ne serais pas étonné que d'ici la fin de la course, il essaye de venir tenter une attaque sur Rodolphe. Et l'attaque de Diop sur Goujon. Il s'enhardit, notre camarade de simracer. Il est en train de prendre un pied phénoménal aussi, et ça change. Je dis pas que la simulation c'est pas bien, hein, c'est pas ça. J'en fais d'ailleurs, je suis très maladroit d'ailleurs. Mais franchement, la vraie vie c'est quand même mieux. Mais il nous confiait que ça peut aider naturellement, ne serait-ce que sur l'apprentissage des circuits, puisqu'il y a un tel réalisme maintenant dans les jeux vidéo. Que voilà. Allez, aux places. Ce qu'il ne fait pas, il a fort raison. Regardez Diop en train de s'éclater. Il observe. Ah ouais, il est très sympa à voir rouler. Regardez, il va chercher des trajectoires improbables et ça marche, hein. Ça marche. Mais il assimile très vite. Je pense que certains opposent le sim racing et la conduite et le pilotage. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez complémentaire et que le sim racing peut apporter au pilotage. Et il nous le montre, regardez. Oh là là, l'attaque de Diop. Voilà. Magnifique attaque de Diop au bout de la ligne droite. À un endroit très compliqué où il y a une belle bosse là qui fait rebondir l'auto. Eh bien là, il n'y a aucune roue qui s'est allumée. Il est passé de manière impériale. Il en a passé deux d'un coup, d'un cognet. Et a priori, il va se retrouver du coup en tête du peloton de chasse maintenant. Ah, il en reste un devant quand même à aller quérir. Peut-être s'agit-il de Tim Merrieux. Voyons les numéros de course, la 10, oui, ça doit être Tim Merrieux, je pense, qui roule devant lui. Mais franchement, là, quelle attaque, quelle passe d'armes. Ils étaient trois au bout de la ligne droite. Ma foi, bien sympa tout ça. Belle course. Je m'appelle Abdoulaye Diop. Mon objectif, c'est de représenter le Sénégal au plus haut niveau du sport automobile. Je suis passionné de sport automobile depuis vraiment mon plus jeune âge. C'est une passion qui m'a pris vers 5 à 6 ans. J'ai toujours été fasciné par les voitures et par l'automobile de manière générale. Naturellement, ensuite, on a découlé le sport automobile. Une fois, je me rappelle, quand j'étais jeune, je suis tombé sur un Grand Prix de Formule 1 que j'ai regardé un dimanche après-midi. Dès ce moment-là, j'ai toujours su que mon avenir devait, quoi qu'il en coûte, être lié d'une manière ou d'une autre au sport automobile. J'ai beaucoup, beaucoup appris à piloter grâce à la simulation, par manque de moyens, parce que j'ai une famille qui ne vient pas de l'automobile de base. Donc j'ai appris à piloter énormément par la simulation, que je pratique énormément depuis maintenant plus de 15 ans, et que je continue encore à pratiquer aujourd'hui justement pour me préparer. Parallèlement, j'ai eu la chance de piloter pas mal de voitures de course, que ce soit des Formule Renault. J'ai roulé sur McLaren GT4, Alpine GT4 et encore différentes voitures. Ce qui m'a aidé à corréler un petit peu ce que j'apprenais à faire en simulation avec ce que je pouvais apprendre à faire en réalité. Aujourd'hui, je travaille avec une équipe justement sur un programme pour participer à un championnat international sur lequel on peut faire quelque chose de vraiment très intéressant. Pouvoir participer à ces championnats et à d'autres par la suite en représentant le Sénégal serait quelque chose pour moi d'important et je trouve de vraiment incroyable parce que ce sera vraiment l'occasion pour nous jeunes Africains et Sénégalais particulièrement, de montrer que nous aussi on peut avoir du talent dans des sports qu'on connaît moins de base, qu'on a des viviers de jeunes qui sont motivés, qui sont aussi passionnés d'automobile et qu'on a la possibilité d'y arriver, de faire quelque chose d'important. Justement, si on peut développer un peu plus le sport automobile en Afrique noire et au Sénégal particulièrement, ce serait quelque chose de vraiment incroyable. Et c'est une très très grande partie de ma motivation. Aussi, j'ai un master en marketing digital et stratégie web business. Passer ce diplôme m'a beaucoup aidé, moi, pour travailler sur ma communication et travailler sur la façon dont je pouvais justement faire parler mon image pour être présent dans le sport automobile. Aujourd'hui, je prépare donc un programme pour rouler en Alpine Alfa Europa Cup. C'est une voiture de course relativement légère qui fonctionne en propulsion. Et je pense que ce sera une très très bonne base pour vraiment pouvoir montrer mes capacités et montrer de quoi je suis capable. Et montrer justement qu'on peut travailler pour... En Afrique aussi, atteindre le plus haut niveau du sport automobile. Chaque jour, le motard risque sa vie. Piloter demande une attention de tous les instants.
Il lui faut être vigilant pour deux. Anticiper tous les pièges. Gérer les imprévus. Mais tout ça est vite oublié quand, enfin, il peut libérer sa moto. À moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a pas. Assalamu alaikum wa ahlou dourou. Je suis Abdou Aziz Bayan, de membre du Horizon Rider Club. Yen jeunesse bi lay waxal. Nenen prudence dourou. Tant accident yi bari na trop. Ak lam mo xew ba boy di jël ay MT di kawé di baña sol kax. Ñi di tox, ñi di nan. Sangara nak ay dawul moto. Lolu dama bëgg mu jeex tay. Fa nga mëno jël sa moto ay million ba paré, amo permis pen moto. Xamna lolu dafa la dañ ko gaay respecté ñu ñuy ñaan yalla képp ko xamné moy dugg ci deux roues dara baay xel lu lay wax ni moy un neul sa carte c'est important minimum limay minimum moto soko yéré minimum war lay xali semaine bi nak 4 morts amna ci deux roues 4 morts lolu dafa wara jeex waaw ñoo ñi lancer appel dal ñu ñëpp délé wa seen xel. Jeunesse bi tamit nañ xamné li waxumako pour ay ki dama lay wax pour jëm len sensibiliser rek xol lay waxé quoi parce que mor yu am ci semaine bi dafa bëri trop dañ sol tax mais ñëpp sol tax. Salam guys ci boy Edge Say El Hadj Babacar cette fois champion du Sénégal tay may ñëw pour wax ak yeen nak sama gaay tay suñu xol dis na trop accident ni mi amé dafa c'est extraordinaire. Je ne sais pas, les débutants, ils sont en train de se faire. Ils sont en protéger, ils sont sol ay casque yu ñu homologué, ils sol gants, ils sol ay chaussures fermées. Parce que tamit neexul nous on est dans le milieu, ñu ngi nek ci milieu bi. Chaque jour ñu ñu annoncer ay décès et pourtant c'est des gens yo xamantene dañu bëgg avancer ci milieu bi. Jappalé leen ñu rek. Un vrai motard, yag na diko wax. La meilleure façon de se protéger, c'est de respecter le code de la route. Té lol tank respecté wo len ko ci ay problème ngeen di dugg wala moto bi da len di yobbu fo xamantene mëno len ko contrôler moto dañ ko wara gis rek respecté ko té lol non c'est très simple casque homologué balen casque 6000 c'est vrai que waaw casque 6000 mais casque 6000 6000 7000 bu accident amé bo gisé casque bi ci nga xamné casque loko jënd yar nako donc s'il te plaît guys je compte vraiment sur vous xam nga prenez soin de vous. Prenez soin de vous, madame. Bailen Helsen Bob. Bailen Helsen Bob, moi, je suis Saboblo. Saboblo, tu es dans le moto d'aérien. Moto n'y a pas de malakala. Parce que, en une fraction de seconde, ça peut te coûter très cher. Et là, ils sont mieux placés pour voir l'eau. Donc, s'il te plaît, guys, c'est très important. Tu es dans le casque. Hein? Tu es dit protéger. Big up, guys. Assalamualaikum, assalamualaikum. Maang ci ari ñepp di leen déggé di leen sant yeen ñepp nak. Di leen xamal ni nak casque dafa bok ci moto, di leen sol casque. Parce que man sama accident bi jangal na mu lu bari ci aduna. Tay ji ni suma sol won casque wala suma sol won protection li yeb duma ci fekk. Ci hôpital metti na metti bo xamné ni kenn xamul. Ma rebé tal ya ngi ci Yalla musal. Di sensibiliser nak sama mbokk jeune ya mbokk motar yeb. Je vais vous dire que l'hôpital met une trope de l'ensol casque. Salam alaikum, wa ahlou dourou. Salam alaikum, monde mota. Ma delu ci wat nak avec le cœur meurtri. Tay mom sen sœur, sen yaay, sen sista moy wax ak yeen. Ma ñëkke ko nak ci sama doomi. Xana sonu len. Tay yi gisu len accident yi ñu bëre. Ngir yalla ak yonentim sen xarit choqué na ngeen dem séti ko hôpital yeen am ngeen bokku bu choqué dé len sol casque ngir yalla limay wax lay waxat ba légui talibi amul mbokk amul xéet ñi ci bari ci yeen xam ngeen conséquence moto
daanu ngeen ci daanu wàcc te ngeen éviter di supporter ay nit yu dul sol yére yi jot te du ngeen leen jox casque yéene ngi mettre en danger seen vie di mettre en danger vie wu ki ngeen supporter dee leen sol casque dee leen sol casque ndax man mi leen di dimbale ñii accidenté boo tiimee ku def choc am fracture crânienne ngay xam ne bopp kenn du ko réparé tànk mun nañ ko réparé loxo mun nañ ko réparé mais bopp kenn munu ko réparé ou nga dem alaxira ñaanaluma ko yàlla kenn ou nga jóge ci am séquelles yoo xam ne sa bopp dootul nekkati nit à la fleur de l'âge xale yow ngay am ay problème bopp dafa metti dama bëgg ngeen di protégé wu dee leen sol dàll yu baax bu ngeen di supporté tamit sol tubéy bu baax di sol casque protégez vous stop ci accident yi. Thank you.
introduite dans les marchés en 2019, la 7e génération de la BMW série 3 passe par la case restylage. Une mise à jour demi-vie que le constructeur bavarois appelle Life Cycle Impulse, avec au menu de très légers retouches stylistiques et un grand update technologique à bord. Le plus gros du changement, on le retrouve à l'avant où la série 3 restylée reçoit des projecteurs qui deviennent plus effilés et s'offrent une nouvelle signature lumineuse. Ces feux sont désormais collés à la calandre qui pour sa part adopte des haricots plus anguleux. Par ailleurs, les boucliers ont été largement redessinés à l'avant et à l'arrière. Ceci se manifeste par le pack Shadowline qui ajoute des touches de noir à la carrosserie, par les jantes 17 pouces disponibles dès le premier niveau de finition ou encore par les packs M-Sport et le nouveau M-Sport Pro. Avec ces derniers, les clients à la recherche de plus de sportivité seront servis puisqu'ils proposent une nouvelle calandre plus agressive, de nombreuses prises d'air sur les boucliers avant et arrière ainsi que des jantes 18 pouces. Dans l'habitacle, l'évolution est plus importante, à commencer par le BMW Curve Display inauguré par l'iX et l'i4 et qu'on a récemment vu sur le facelift du X7 ou encore sur la 7e génération de la série 7. La dalle incurvée se compose de deux écrans collés sans casquette, le premier de 12,3 pouces et le second de 14,9 pouces. Le BMW Curve Display n'est pas arrivé seul puisqu'il ramène avec lui la dernière génération du BMW eDrive et le tout récent BMW Operating System 8. Cela veut dire que le package technologique de cette série 3 a fait un grand pas en avant, notamment au niveau de la connectivité. A souligner au passage que le levier de vitesse a cédé la place à un sélecteur plus petit et aussi la réduction des boutons physiques au profit d'un système de commande vocale plus évolué. Au chapitre motorisation, c'est le statu quo ou presque, la BMW série 3 offre toujours un large choix de l'essence, du diesel et de l'hybride rechargeable. Les puissances débutent à 122 chevaux et culminent à 374 chevaux pour la version survitaminée M340i. Pour conclure, sachez que la 7e mouture de la série 3 est attendue en concession en Europe dès le mois de juillet prochain et dans la foulée chez nous au Maroc. Le ticket d'entrée s'affiche à partir de 42 600 euros. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un peu de contexte. Le Namix HUV présenté ici est un SUV alimenté à l'hydrogène et doté d'une petite subtilité astucieuse pour pallier aux problèmes de recharge liés à l'hydrogène. La toute jeune marque franco-marocaine Namix, cofondée par Faouzi Anaja et Thomas de Lussac, ambitionne de le produire à l'horizon 2025-2026 et ce que nous allons découvrir est un premier prototype réalisé en collaboration avec Pininfarina, rien que ça, et qui permet d'ouvrir la voie à la naissance de ce HUV. Allez, bouclons cette émission avec la jeune street artiste marocaine Sarah Lamine-Rose, mise en scène ici par le constructeur Renault dans un de ses showrooms du royaume chérifien, où elle libère totalement sa fibre artistique avec cette édition très limitée du dernier Dacia Sandero Streetway, nommé pour l'occasion Artway, modèle exclusif qui sera reproduit en seulement 50 unités. À la prochaine, d'ici là, portez-vous bien, salut!